Bonjour les amis, on aime beaucoup voir des vidéos de solidarité entre animaux. C'est inspirant et toujours tellement sincère. Alors, forcément, on a voulu partager avec vous ces images d'un adorable petit chien en Chine. Ce doux chien s'appelle Pudding. Il a été filmé devant sa maison à Weifang par sa propriétaire Madame Fung. La femme a partagé les images sur Douyin, la version chinoise du réseau social TikTok. Au début, son propriétaire craignait que Pudding n'ait utilisé la nourriture comme un leurre pour attaquer le chat plus facilement. Cependant, sa peur n'était pas fondée. Pudding aboie pendant un moment pour attirer l'attention du chat, puis recule pour que le chat puisse aller vers la nourriture. J'ai capturé le moment par accident. C'est arrivé dans la cour devant notre maison. Je travaillais en bas ce jour-là, quand j'ai entendu notre chien aboyer en haut des escaliers. Quand j'ai regardé, je l'ai vu aller à son gamelle chercher sa nourriture à la viande. Puis il a de nouveau aboyé. Puis j'ai vu le chat en haut des escaliers. Je pensais qu'il utiliserait la nourriture comme appât pour attraper ou se battre contre le chat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait se passer ensuite. Notre chien a donné le morceau de viande au chat. Le chat avait peur et ne voulait pas descendre les escaliers. Alors notre chien a reculé et a gardé ses distances pour que le chat puisse se rapprocher. J'ai été très ému par ce moment car notre chien est un chien de garde et généralement très protecteur de sa nourriture, raconte Madame Fung. Quel super chien! Beaucoup de gens peuvent prendre cela comme exemple.